Aujourd'hui, je crois bien que ça va être historique. Parce que dites-vous que je vais pouvoir construire des bails de zinzin, mais littéralement automatiquement. Bon, vous devez pas trop comprendre, mais vous allez comprendre. Donc voilà, mon gars, si tu veux apparaître exactement à ma droite, n'hésite pas à t'abonner. Et si on peut faire un objectif de 1 like, je suis complètement preneur. Wow! Tu m'as ramené où, le? Mais c'est très simple, mon gars. Pourquoi tu m'agresses comme ça, là? Je comprends pas. Je pense que tu le vois, il y a deux zones. Et bah, ça va être simple. Ouais. Oh non, pas encore un build battle! Tu sais quoi? Je suis nul en build, moi. Je sais pas pourquoi tu m'invites, moi. Mais parce que toi, t'es mon préféré. T'es mal à Beden. Check moi la Beden. Ah mais ouais. Premier thème, qu'est-ce que t'en penserais de faire une petite épée? Bien évidemment, enfoncée dans le sol, comme ceci. Ah, comme Arthur. Ouais, genre tu l'enfonces tellement profondément que pour la retirer, faut s'appeler le roi Arthur. Faut crier Arthur. Bon allez, dégage. Allez, c'est bon, au revoir. Voilà, hop, hop. Ah bah si tu builds aussi rapidement. Et non, et non, et non. Et voilà. Bon ok les mecs, ce que Shawen ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui j'ai ajouté un mode vraiment de zinzin. Mais quand je vous dis un mode de zinzin, en gros, simplement en parlant, comme avec Cortana, je peux carrément énoncer ce que je veux. Donc là par exemple, si je dis je veux une épée qui s'enfonce dans le sol, et bah bien évidemment ça va commencer à bulle une épée qui s'enfonce dans le sol. Voilà, regardez-moi ça. Donc là franchement, je peux prendre mon Ice-T. Regardez-moi ça, de l'ice tea à côté de moi. Bon, c'est pas de l'ice tea, mais c'est voilà, c'est vide. Ok les mecs, alors là les mecs, le sujet du build battle est plutôt cool, puisqu'on a build une épée enfoncée dans le sol. Bon, j'ai pas regardé Mozart au citoyen. Aucun rapport à ce que je raconte. De la bedrock, on va prendre de la bedrock parce que c'est compliqué d'enfoncer de la bedrock. Mais pourquoi il y a de la cobble? Hein? On va faire une petite zone comme ça un peu. C'est de faire un espèce de cratère. Là les gars, l'expression éclater au sol, elle a jamais été aussi, aussi virilique. En plus Tanned il est pas ouf en build, ça veut dire bon on va être plutôt tranquille. Niveau build on n'a pas à s'inquiéter de lui. Bon par contre je ne sais absolument pas bah combien de temps ça peut prendre. Mais comme vous pouvez le voir, bah, ça a l'air de construire. Donc vous savez quoi, moi je n'ai absolument rien d'autre à faire que bien évidemment aller zioter mon ami qui s'appelle Shawen. Donc déjà on s'est splash une potion et je voir ce qu'il fait. Et comme vous pouvez le voir, il fait vraiment n'importe quoi. Donc ça commence bien. On dirait carrément l'épée dans Dragon Ball là qui s'enfonce dans le sol. Je crois elle s'appelle Excalibur ou je sais pas comment elle s'appelle. Mais bref, comme vous pouvez le voir, ça bulle automatiquement. Vous savez quoi, on va même tenter de voir si ça peut faire un petit portail du Nether. On va se prendre un briquet et boum. Et regarde-moi ça, ça fait carrément portail du Nether. Et en plus, je peux vraiment leur demander tout ce que je veux. Hein. Par exemple, si je leur demande de poser un bloc d'obsidienne dans quelques secondes ici, ça va le poser. Et c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. C'est sublime. Bon, de toute façon, je l'ai pas dit à Shawen, mais les bulles vont être très très courts à faire, hein. Je vais même pas lui laisser 10 minutes. Bon, je vais quand même lui dire, ça va être court. On va quand même le prévenir, comme ça, s'il stresse un petit peu. Et franchement, comme vous pouvez le voir, mon épée, franchement, elle a de la gueule. Bon, par contre, j'ai vraiment peur qu'il pense que, bah, je n'ai pas le talent de faire ça, hein. Parce que là, malheureusement, comme vous pouvez le voir, l'espèce de bot, il joue beaucoup avec les blocs. Moi, je n'aurais jamais eu l'idée de mettre des escaliers à l'envers, à l'endroit et encore à l'endroit. Moi, je pense, j'aurais plutôt fait une épée. Regardez, je vais vous montrer ce que j'aurais fait, moi, de base. Voilà à quoi aurait ressemblé mon épée. Et bien évidemment, vu que je suis un chic type, je l'aurais aussi allumé. Comparer ça à ça, ça n'a rien à voir. Hein. Je vais essayer d'aller observer un petit peu Shawen pour voir. Il y a double couche, hein. Il m'a même pas vu. Oh mince, oh mince, oh mince. Il faut que je fasse en que je build. Il faut que je fasse en que je build. Ok, tac, tac, tac. Ok, hop là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi ce Nungus là? Il est bizarre lui. Vraiment, il est bizarre. Moi, je vous le dis, la line est on va le choper par le callback. On dirait plus le stade du Santiago Bernabéu qu'une épée, mais bon. Là maintenant, les mecs, on va passer aux choses très très sérieuses puisqu'on va faire l'épée tout simplement. Hop, voilà, là, elle est bien bien enfoncée comme on aime. Ensuite, les mecs, on va faire le petit manche. Bon, je pense que là, comme ça, ça me paraît plutôt pas mal. Pas prêter attention aux trucs comme ça. Plus mettre un pouce bleu. Vous mettez un pouce bleu, là on est content. J'ai quand même été un peu pris la main dans le sac, mais c'est pas grave. Oh, ah oui, d'un coup là, ouais. Je pense que là, il suffit d'avoir un petit manche et c'est terminé. Je vais quand même mettre des petits détails au sol. Voilà, comme ça, ça fait quand même une épée qui est bien enfoncée. Oh mince. Comme ça, au moins, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, comme on dit. Et on va même mettre un petit chemin. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Je pense que Shawen n'a même pas fait 5% de ce que j'ai fait. Là, franchement, si on dirait pas une épée qui revient des cieux, je sais pas ce que. Enfin, je sais pas ce que c'est. Je vais dire, c'est terminé. Je vais même aller chez lui. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris que c'était terminé, là. Mais c'est quoi ce que t'as fait, là? C'est dégueulasse. Wow. Mais comment c'est moche? Quoi? Tu racontes, mais c'était magnifique. Bah, franchement, essaie de retirer une épée de la bedrock. On dirait, tu sais, les bails gonflables qui bougent de droite à gauche. Bah, non, en fait, non, pas du tout. Non, franchement, elle est magnifique, franchement. Mais c'est pas à toi de mettre une note, c'est à moi de mettre une note. Bah, si t'es aigri, oublie pas que je peux être très très aigri quand je veux. Tu sais quoi, viens, on fait un truc. On donne les notes en même temps. Donc, tu sais quoi, viens voir mon épée et moi je donnerai une note après pour la tienne. Ok, d'accord. Okay. Je peux lui mettre une très bonne note, hein. Regarde-moi ça, là. Quoi? Pense à quoi? T'as build ça en aussi peu de temps, tu me dis. J'ai même. Mon gars, regarde-moi ça. Elle est même enfoncée dans la terre. Regarde-moi ça, ça va tout en bas. En fait, oui, d'accord, mais pour la retirer, c'est pas compliqué, y a pas de bedrock. Ah, vas-y, tire, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, ok. Non! Bon, là, t'es vraiment un escroc. Bah, là, tout d'un coup, elle est beaucoup plus dégueulasse, là. Bon, au moins, on dirait pas un château gonflable, au moins. On dit la note en même temps. C'est une note sur 10. 3, 2, 1, 4. Yeah!
Yes. Oh le chien. T'as été encore plus aigri que moi, je suis aigri. J'aurais dû te mettre 0. Bah t'as pas fait quelque chose de fou non plus. Ouais bon franchement c'est mérité. Tu mérites le 4, je mérite le 1. Bon non mais attends mais tu m'as mais je t'ai même pas dit le. Non le tu thème. Dégages. Tu dégages, je veux plus te voir, je veux plus voir un mec comme toi. Je veux pas même te plaire. Non mais franchement il m'a mis une vieille note les mecs. Il m'a mis une note éclatée sa mère. Jure les mecs, ça va pas se passer comme ça. La tête d'homme, ça va pas se passer comme ça. Bon tu sais quoi mon gars, est-ce que tu veux au moins que je te dise le thème? Bah non. Bon, il a l'air un petit peu de boudé. Bon en tout cas ce qui est cool c'est que regardez-moi ça. Si je me mets ici et que je pense très fort à la statue de la liberté, exactement ici, et bah ça va construire une magnifique statue de la liberté. Ah bah voilà, ça commence à poser des blocs. Donc logiquement ça va être construit. Je vais écrire statue liberté. Voilà, statue liberté. En plus il aime bien les États-Unis, il aime bien tout ça, donc Non mais les mecs, il est dyslexique là, regardez comment il écrit. Quand j'ai aucun problème quand t'es dyslexique là, mais là bon. Bon par contre les mecs, il a fait un build qui est peut-être un petit peu trop beau quand même hein. Enfin je suis désolé, moi j'ai fait un build bon de bébé, mais ça va. Bon la statue de liberté elle est de quelle couleur? Elle est comme ça. Allez, vous savez quoi? Moi c'est fait maison. Parce que bon, de base je voulais dire qu'il me copie, mais là il a pas l'air de vouloir me copier là. Enfin, je sais pas, en plus y a personne dans le serveur. Déjà, on est d'accord pour dire qu'une petite statue de liberté se doit forcément d'être construite avec du cuivre. Et du cuivre qui est oxydé. Il faut pas du cuivre tout moche, dégueulasse, bizarre comme ça là. On va même voir ce qu'il tente de faire. Oh, il a compris mon thème. Pas mal ça, hein, pas mal hein. Est-ce que je peux casser des blocs? Mince. Il faut vite que je build, mince, mince, il faut vite que j'y aille. Ok, hop là, on fait semblant de build. Mais il se passe quoi là? Bah, je sais pas, en plus y'a personne dans le serveur. Mais mes blocs ils se cassent tout seuls les mecs, je comprends pas. On est chez Jaune et Zéphine, ange gardien. Franchement c'est un beau carré, y'a rien de très très joli. Il a pas l'air d'avoir beaucoup remarqué quoi. Mais il fait un bunker ou quoi là? Non mais je fais vraiment des battles de bulles contre des gens vraiment. Ils ont jamais voyagé hein. J'ai envie d'envoyer des TNT dans sa base. Je vais en envoyer une seule, bam et bam. Et là par contre il faut que je fasse tellement de build. Quoi? Je comprends pas là. C'est quoi les mecs? On va s'infiltrer. Bon allez les mecs là, on va s'infiltrer, on va voir ce qui se passe. Oh merde! Oh merde! Oh merde mec, je viens de me faire choper! Bah alors là vraiment, c'est une ermite hein. Un raton laveur hein. J'ai envie de faire pareil. Et moi ce qui est cool c'est que moi ça build. Alors que lui s'il se barre ça build pas. Je viens de me faire choper. Je viens de me faire choper. Bah vous savez quoi, il a triché une fois. Franchement je vois pas pourquoi je devrais tricher. Non mais bah, bouge de là là. Il est sérieux lui. C'est bon, il fait tout le temps les blagues de trop lui. Mais mec, est-ce que ça ressemble vraiment à une statue de la liberté les mecs là? Non mais je suis nul en build. Vous savez quoi, je vais quand même slash cut. Oh non mais je vais pas slash cut. Je vais bien évidemment tout relier. On va dire ma maison sera reliée à mon épée. Par contre il faut que je fasse gaffe qu'il m'observe pas. Parce que bon imaginez, il me voit en train de faire un genre de petit chemin et en même temps il voit une statue qui se construit. Shawen a beau avoir un QI un petit peu inférieur à la moyenne, il est pas aussi bête que ça. Et regardez-moi ça, on va carrément mettre des bancs. Ça commence à être pas mal. Magnifique, c'est un villageois. Pour le troisième thème, on va devoir faire des genres de figurines de villageois. Par contre j'espère qu'il va pas se ramener pendant que ça build encore hein. On va voir ce qu'il a fait la lined là, je comprends pas. Ah mais il y a pas assez de chunk pour que je vois le build là, je comprends pas. Bon c'est pas grave hein, vous savez quoi, nous on va peaufiner notre petit build. Ne jamais abandonner, je suis sûr qu'on peut gagner. Ça va hein, la lampe elle est pas raté, c'est assez stylé. Hop, c'est activé. Wesh! Oh la statue de baiser qu'il a fait! Attendez, mais c'est historique là ce qu'il a fait là, je comprends pas. Je vais mettre de la TNT, un briquet. Oh, vous savez quoi les mecs, c'est pas grave. Ah oui. Oh le chien. Oh le fils de Shawen. Non mais il croit que je le vois pas ce chien là! Oh merde! Ah oui, bah oui, on voit pas les particules hein. Je vois vraiment rien hein, vraiment. Ah bah tiens, la cape d'invisibilité. Cape d'invisibilité? Je parle de mon dessin, il est magnifique mon build. On dirait un Worms, on dirait un ver de terre hein. On dirait un ver de terre, mais franchement la lampe est hyper bien faite. C'est pas mal, sauf le problème, on dirait. Est-ce que tu vois Bob dans Monstres et Compagnie? Attends, parce que je connais un monstre qui va ressortir. Oh, ah bah il fait des particules d'espace. Bon allez, non franchement c'est plutôt pas mal. Tu m'as choqué, il aurait pas une calvitie comme un moine. Je t'aurais peut-être mis 8, vu que tu as triché et que tu as explosé ma maison. Quoi? Tu descends à 4. T'as aucune preuve. Ouais, franchement, pas mal, ouais. Arrête, comment ça, ouais? Non, mais c'est joli, quoi, mais bon, si on va à l'intérieur, quoi? Bah oui. Attends, mais là, je comprends pas. Attends, mais tu te prends pour qui, là? Tu te prends pour un petit gueule, quoi? Bah, c'est pas moi qui a cassé, mais bon. Tu insinues quoi? Tu pensais que c'était pas comme ça, intérieur? Allez, je te mets 6. Ah, donc j'ai encore te battre. Oula. C'est pas très français ça. Elle ressemble à quoi la statue de la liberté? Elle ressemble à un villageois. Et bah c'est très simple mon gars, on va devoir faire des figurines villageois. Vas-y. J'ai failli bégayer quand j'ai vu ça se construire, hein, parce que c'est 10 fois plus beau que ce que j'ai fait. Donc vous savez quoi, de toute façon, là, on va devoir faire des figurines pop. Donc les figurines pop vont bien évidemment se faire là-bas dès que j'ai fini mon chemin. Franchement, ça habite automatiquement, je suis même plus choqué. C'est vraiment la norme. Je peux carrément me boire un chaud verre de Ricard. Et vous savez quoi, on va tous le boire ensemble. Et voilà, on est bien. J'ai l'impression d'être le boss des boss des maçons de France là. Là, il est, c'est un tricheur, on sait très bien comment il
griffer. Déjà, il faut qu'on ait la preuve qu'il triche. Même si bon, clairement le fait qu'on ait détruit son build et qu'il soit reconstruit une minute après. Donc vous savez quoi les mecs, on va tout simplement préparer notre petite destruction. Mais bref, on va essayer de faire un petit effort pour les villageois. Je vais faire des logements à villageois. Voilà, je vais littéralement me foutre de sa gueule. Il veut se foutre de ma gueule, je vais me foutre de sa gueule. Alors là les mecs, bon ça fait pas mal de bruit les mecs hein, mais bon vous me connaissez. Moi c'est pas des builds de Léonard de Vinci. Et on va mettre un petit panneau parce que pour ceux qui savent pas, Aspaz, IRL il ressemble à un villageois dans Minecraft. Donc on va prendre un petit panneau et on va l'appeler la famille d'Aspaz. Oula, 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 il est pas dans sa base. Aïe aïe aïe, oulala, je fais semblant de build, ah là je build, ah je suis en train de construire. Le fait d'avoir posé plein de villageois dans un enclos pour vaches, ça me rassure pas. Il a pas intérêt de faire ça hein. Et on va voir ce qui se passe déjà de l'autre côté. Attendez, mais là c'est une blague. Mais Lined ne build même pas. Mais j'ai jamais vu ça. Wesh, il build deux trucs en même temps. Non franchement là il se fout de ma gueule. Vous savez quoi les mecs, ça va partir en mode terrier. Ça va partir en mode raton laveur là. J'en ai rien à faire. Mais il build même pas les mecs. Il ne build même pas. Alors là. Vous savez, attends, vous savez quoi, il veut tricher. Je dois faire ça. Désolé les mecs. Désolé. Je suis d'après. C'est pas grave. Ça va péter. Bon, on va faire ce mode build hein, même si bon. Je pense que là je suis un peu cramé. Quoi? Attendez, mais il est sérieux! Oh ouais, non, mais là, les mecs, on va se lâcher, là. Il est sérieux, il vient de péter mon truc, là. Alors là, bonne chance à lui, les mecs, hein. Là, 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 je... Quoi? T'es sérieux? Voilà ce que t'as décidé. Ah, je suis mort. Oh, vraiment, là, j'ai fait un filon de... T'en penses quoi de mes builds qui sont encore en train de s'update là? Non, mais franchement, t'es vraiment le pire des tricheurs, hein. Je suis abattu. Bah, attends... Qui avait dit qu'on avait pas le droit? Moi j'ai détruit ton build avec une TNT. T'as plus de build? T'as mis l'artillerie lourde, ils sont encore là. Bah non, mais surtout que tout est supprimé là, y'a plus de trouille, y'a plus rien. Ah oui, j'ai pas vu. Rien, t'as installé des mods, y'a pas de mods en plus. Eh, tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre. Pourquoi tu fais ça? Allez, cette fois, j'en ai plus rien à faire. Allez hop, ça dégage, sale tricheur, va. Hein? Alors on fait le malin? Vas-y, baisse les yeux maintenant. Ok. N'oublie pas de t'abonner. Oui. Et de liker, sinon ça va chier. Oui, ça va chier. Ah, lui n'est pas abonné.